Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Jolatte, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue dans un tout nouveau jeu. Le but du jeu, comment dire, voilà, c'est ça. C'est bien, c'est pas mal. Voilà, donc je dirais que le but du jeu est de faire régner la paix et l'amour dans notre cher univers tout entier. Ou encore faire des choses de toute beauté, telles des petites planètes qui tournent autour d'un soleil. Ou bien de foutre une énorme merde intergalactique intrasidérale. Ça se dit ça? Je sais pas là. Je suis pas sûr. Moi je trouve ça plutôt bien. Alors je tiens tout de suite à préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée par Nicolas Hulot. Qu'on soit d'accord. Encore moins approuvé. Et regardez ça franchement, moi je trouve ça juste fascinant. Regardez comment que c'est de toute beauté, c'est vraiment super bien fait. Tout ça, c'est notre système solaire. Et on peut aller comme ça, revenir remonter à des années-lumière. Vous vous rendez compte à quel point cette simulation nous fait montrer qu'on est tout petit dans le monde? Alors regardez, par exemple, je vais vous montrer, c'est super bien fait, hein, c'est un truc de fou. Hein. C'est vraiment super bien fait. La dernière fois, je vous raconte même pas, j'ai passé une heure sur le jeu à foutre le bordel. Et à essayer de comprendre aussi. Bon, disons que j'ai plus réussi à foutre le bordel que comprendre. Regardez, je vais vous montrer à quel point c'est bien fait. Alors, par exemple, ça c'est la Terre. Hop là, je diminue la rotation. Et regardez ça, c'est vraiment, mais... C'est super bien fait quoi. Et c'est vraiment un truc de fou parce que regardez, si je veux, je peux changer absolument toutes ces valeurs. Alors je suis pas dans l'astronomie, ni physicien, ni astronaute. Je ne connais pas vraiment ce que changeraient ces valeurs. Moi je sais juste foutre le bordel dans ce jeu. Mais en tout cas, ça peut être une simulation très intéressante pour ceux qui sont par exemple à fond dans l'astronomie, l'univers, les étoiles et tout. Ça peut être vraiment très intéressant. Je pense que ça s'adresse vraiment aux gens qui sont passionnés par l'univers et tout. Après ça peut bien entendu s'adresser à ceux qui veulent foutre le bordel comme moi. Voilà. Par exemple, on peut complètement réacclimater la Terre. Je sais pas trop si ça se dit. Par exemple, regardez, on a le soleil qui est ici. Si je prends le soleil et que je l'éloigne de la Terre va complètement geler. Vous voyez ce que je veux dire? Alors le jeu est en accès anticipé, c'est une alpha. J'ai ici la dernière version qui est sortie hier ou avant-hier. Enfin, il y a 2-3 jours là, au moment où vous verrez cette vidéo. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu. On va s'essayer à une simulation, par exemple. Alors qu'est-ce que j'ai foutu avec la Terre, par exemple? Voilà, la France, elle est là. Et ben qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire par exemple... Ça c'est pas ça que je voulais faire à la base. Je voulais pas faire ça. Là je crois que j'ai provoqué un petit peu une éclipse. Comme une éclipse solaire quoi. Je voulais pas du tout faire ça. Voyons, reprenons. Voilà, non! Ah ben c'est pas ça non plus que je voulais faire. C'est pas mal, regardez ça. Voilà, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut construire notre propre système solaire. C'est juste un truc de fou. Par exemple, qu'est-ce que je peux faire? Eh ben voilà, je peux faire par exemple... Qu'est-ce que c'est que ça? Non! C'est pas du tout ce que je voulais faire, on va reprendre. Attendez, on va essayer de voir ce que ça fait quand les deux planètes Mars se rencontrent. On fait un crash test. Waouh! C'est énorme! Regardez ça! Oh, j'adore! Et ben ça donne une nouvelle planète, Mars Attaque. Petite référence pour ceux qui connaissent. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire un petit peu. C'est... En fait, je sais pas exactement tout ce qu'on peut faire. On peut faire des... On peut foutre la merde comme ça, là. Vous voyez ce qui se passerait si on était à 40 000 km du Soleil? Regardez! Notre Terre, elle fume. Putain, j'en ai mis deux. J'aurais pas foutu la merde un petit peu, là. Un trou noir. Alors, par exemple, on va mettre... Oh! Regardez, on a toutes les planètes. On a... Qu'est-ce que c'est que ça? Alors attendez parce que je découvre aussi... non, là par contre ça va pas du tout. On a complètement foutu la merde. Voilà! Enfin voilà, non! Non, pas voilà! Non! Oh, regardez ça, c'est quoi ça? C'est une galaxie. C'est un truc de malade, hein. Regardez, on peut mettre des galaxies partout. Vous croyez qu'il y a combien de galaxies dans l'univers? Est-ce que vous croyez qu'on est seul déjà dans l'univers? Moi j'y crois pas, moi. On peut pas être seul. Dans un grand truc comme ça, c'est impossible. J'ai envie de faire un truc, franchement. J'ai envie de faire un truc. J'ai envie de me faire un kiff. Mais un gros kiff. Hein. Oh, regardez. Et plus je mets des planètes, plus j'entends mes ventilateurs de mon PC tourner fort. Ça va? Ça se passe bien ici? T'as pas trop chaud? Arrête, arrête, je t'en supplie, arrête, j'ai chaud. Il a dit que ça allait plutôt bien. Mais qu'il fallait pas non plus en mettre plus. Alors on va voir un peu ce qu'il y a d'autre. Chaotique orbite. Ça me plaît, ça. Moi, ça me plaît, oui et non, quoi. C'est deux ronds qui tournent. C'est tout en fait. Waouh, regardez toutes les galaxies que j'ai mises. Là, vous vous dites, dans chaque galaxie, il y a un système solaire. Et là, j'entends mon ordinateur qui me chuchote tout doucement dans l'oreille. Laisse-moi refroidir, s'il te plaît. Oui, tout à fait, il me chuchote comme ça, oui. Non, sincèrement, c'est un putain de logiciel qui pompe de la ressource. Énorme. Je vais foutre la gravité à fond. Comme ça, ils vont tous être attirés par le soleil. Ah non,
tous par la Terre. Oh mon Dieu! Vous croyez qu'on tourne à cette vitesse-là sur la Terre? Et paraîtrait-il que sur la Terre, on tourne à plus de 300 km par heure, un truc comme ça, je sais plus exactement. Je sais plus, je crois que c'est Wikipédia qui me l'avait dit. Imaginez-vous qu'à cette heure-ci, par exemple, on est en train de tourner à plus de 300 km par heure. C'est un truc de fou! Regardez ça, c'est carrément la guerre des étoiles, le machin. Oh! Mais là, par contre, ça part totalement en couille, là. Là, ça part totalement en couille. On peut mettre des citrouilles dans l'espace aussi? Le soleil n'est pas un peu trop près de la Terre, là? Je crois qu'elle est en train de surchauffer légèrement, là. Attendez, on va y mettre une... On va mettre une citrouille qui tourne autour de la Terre. Normal. C'est bientôt Halloween, quoi. Des boules de billard. Des balles de baseball. Des dés. Et puis des trucs pour servir le thé aussi. Des théières, que ça s'appelle. Donc voilà, donc ce jeu, vous verrez que moi, j'en fais rien du tout, à part de la merde. Si vous voulez faire péter des galaxies ou bien faire régner la paix et l'amour dans ce monde, ça vous coûtera la modique somme de 25€. Oui, c'est très cher pour voir Mars et Neptune rentrer en collision. Je sais. Mais en tout cas, ce jeu va confirmer une chose pour moi. Nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Si vous aussi vous pensez qu'il y a une vie extraterrestre, intergalactique, je lance le débat, laissez-moi un petit commentaire sous la vidéo. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo présentation vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt tout le monde, et ciao! Vous voyez ce qui se passerait si j'étais le maître du monde? J'ai foutu la merde, là. Là, j'ai foutu la merde, quand même. J'ai un peu foutu la merde, j'avoue.